Homosexuel. Babel. Homophobe. Moi, j'ai deux papas. Deux papas qui s'aiment. Non, moi, je les aime pas, ils sont homo. Et alors? Mon chéri, tu as passé une bonne journée? Ah oui, mais j'ai le temps de préparer un bon petit plat pour ce soir. Et toi, Yann, tes cours, ils se sont bien passés? Oui, j'ai même un nouveau morceau de guitare à vous jouer. Et moi, j'en ai marre de vivre avec des homos. Franchement, c'est pas rigolo, je vous déteste. Hé, hey, oh, arrête de toujours te plaindre, hein. T'es pas si malheureuse que ça. Elle est en crise. Toujours en train de râler. Ils sont vraiment super, nos enfants, super. Eh ben nous, on est contents. Et puis on a des super parents. Bon allez, écoutez, je vais vous jouer mon morceau de guitare. À l'école, on se moque de moi. On me dit que je suis pas normale avec mes deux papas. On me dit que t'es une fille de PD. Ton père il est gay et ta mère est lesbienne. Voilà ce que j'entends moi. Mais franchement, je m'en fous de leurs insultes. Mais moi, je m'en fous pas. Au contraire, je la trouve injuste, cette exclusion. Eh bien, tu n'as qu'à leur répondre que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Mais tu dis n'importe quoi. Dieu, il a créé Adam et Ève, et non pas Adam et Adam. Mais putain, pourquoi je vis pas dans une famille comme tout le monde, avec un père et une mère? Bon, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile. Au boulot, par exemple. Au moins, il y en a de travers. Moi, je ne dis pas que je vis avec un homme. Et qu'en plus, on élève nos enfants ensemble, les gens comprendraient pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les familles homoparentales, c'est encore tabou. Mais c'est plus que tabou. On n'a aucun droit, aucun. Ouais, mais nous, on est heureux. On est heureux? Oui, à la maison, on est heureux. Mais en public, on se cache. Et en plus, la famille nous a laissé tomber. Ouais, la famille nous a laissé tomber, c'est vrai. Mais nous, on a fait notre propre famille. Tu m'embrasses jamais dans la rue, tu me prends jamais par la main en public. Ben, c'est que c'est pas facile. Le regard des autres, puis avec les enfants. Donc tu vois, toi aussi tu te caches. Dis Johan, t'as une copine? Ouais, j'ai une amoureuse, trop belle. Ben t'es pas pédé alors? Ben non. Et toi, t'as un copain? Ah oui, et je l'aime. Ben t'es pas lesbienne alors? Ben non. De toute façon c'est pas génétique l'homosexualité hein. C'est un choix, le choix de sa propre sexualité. Un choix amoureux? Mais vous êtes vraiment ridicules tous les deux. Heureusement que c'est pas génétique l'homosexualité. T'imagines si toi t'étais un PD, si toi t'étais une gouine? Mais putain, c'est quoi cette famille de merde? Et puis j'en ai marre de ces mots. Mais quels mots? PD, gay. Oh arrête hein. Gouine, tapette. Écoute, des homophobes, y'en a plein les rues. Mais moi, ça m'empêche pas de t'aimer. Bon, et puis au lieu de vous embrouiller un peu, écoutez mon morceau de guitare. Mais attention, parce que de traiter de... Franchement, j'adore ma famille. Malgré tous les interdits, on a réussi à vivre ensemble, avec vous les enfants. C'est vrai, je t'aime, tu m'aimes, on les aime, on s'aime. Et nous, on s'en fout de ce que les autres peuvent penser. Et ben moi, je m'en fous pas, j'ai un honneur, moi. Oh là là, ça va, c'est bon. Ne sois pas un homophobe. Ne sois pas un homophobe. J'ai deux papas. Oui, je vais en venir pour avoir du courage. Le thème qu'ils ont choisi, leurs préoccupations. Ils viennent du CFA AFIP à Poissy. Et ils sont en bac pro apprenti vendeur ou en CAP apprenti vendeur. La mise en scène est de Christine Farré. Les interprètes sont Anthony, Maxence, Cindy, Amel et Johan, qu'on peut applaudir encore très fort.